Eh bien salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve pour le septième épisode concernant le bar top, un épisode qui sera dédié à la peinture et à du menu bricolage. Alors pourquoi un épisode qui couvrira deux petits trucs? Tout simplement parce que toute la partie peinture, je l'ai pas filmée en intégralité. Voilà, parce que ça a été long, parce que ça a été chiant, parce que j'ai commis des erreurs, mais j'ai quand même décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous dire les erreurs que j'ai faites et les choses à ne pas reproduire. Donc au cours de cette vidéo, vous verrez la plus petite de mes deux filles, très brièvement, qui a suivi toutes les étapes de fabrication, et le beau-frère qui était là pour faire le con lui aussi, donc il m'a donné un coup de main pour cette partie de la vidéo, il a filmé un petit peu pendant que je peignais. Donc première erreur que j'ai commise, c'est de peindre au pinceau, voilà, c'est à éviter à 200%. Utiliser directement un rouleau à laquer. Donc moi j'ai utilisé de la peinture glycéro satinée, donc le rouleau à laque est très bien. N'achetez pas des rouleaux à laque à bas prix puisqu'ils perdent leur poil et c'est le bordel par la suite, il faut reponcer 200 fois. Et également pensez à acheter un produit si vous avez du MDF ou un bois qui boit énormément la peinture. Pensez à appliquer un produit dessus, ça coûte pas grand chose, ça coûte 7 ou 8 euros le bidon et ça permet au bois de ne pas boire la peinture. Moi du coup j'ai pas fait tout ça, j'ai commencé au pinceau et j'ai pas mis la sous-couche qui évite au bois de boire la peinture, donc du coup je me suis tapé 7 à 8 couches et ça a vraiment été un enfer puisqu'il a fallu peindre, poncer, peindre, poncer, peindre, poncer et entre tout ça bah, il y a les temps de sèche. Pareil, respectez les temps de sèche. S'il y a écrit qu'il faut 12 heures pour passer la deuxième couche, attendez 12 heures. Sinon, lorsque vous allez passer le rouleau, ça va décoller la précédente peinture et faire des traces toutes dégueulasses et vous n'aurez pas un rendu lisse. Cela dit, je m'en suis quand même pas trop mal sorti. Je suis quand même assez content de moi. Là, c'est encore humide, c'est pas encore sec au moment où ça a été filmé, mais j'ai quand même un résultat qui est assez honorable. Deuxième partie de cette petite vidéo, on va revenir sur quelque chose que je ne savais pas où caler, que j'ai filmé et que je ne savais pas où caler dans les vidéos. Celle-ci concernant la peinture étant assez courte, j'en ai profité pour le mettre là-dessus. J'ai eu à plusieurs reprises pour l'intérieur de la borne besoin de faire des fils électriques. Donc du coup, j'ai fait des fils électriques avec des cosses, puisque je préfère. Mais je vais quand même vous montrer la démarche que j'ai utilisée. Donc sur l'écosse à pincer, j'enlève le petit bout de plastique qui sert normalement à pincer, puisque je trouve que ça tient pas bien les fils et c'est quelque chose que j'aime pas. Ensuite, bah, bien évidemment, je dénude classiquement mon fil. Je coupe l'excédent. Voilà. Pour qu'il déborde pas énormément dans la cosse. Et j'étame mon fil. Donc j'ai eu besoin de faire ça pour un fil qui va relier une masse de la carte mère à l'alimentation du PC pour pas que le son grésille. Et j'ai eu à faire ça également pour tout ce qui est pour connecter la multiprise à l'adaptateur Alim qui se trouve donc à l'extérieur de la borne, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, je place de la gaine thermorétractable sur mon fil. Donc ça, c'est un tout petit fil qui va faire office de pont en fait. C'est pour le bouton marche arrêt qui se trouve à l'arrière de la borne. Une fois que j'ai passé mon fil étamé dans la cosse, je mets 2-3 petits coups de marteau ou 2-3 petits coups de ciseaux à bois, puisque moi j'aime bien utiliser des outils qui servent pas à ça. Et ensuite, je soude ma cosse à mon fil étamé, ce qui permet d'avoir une cosse où le contact est 100% bon et une cosse qui ne se défera pas avec le temps puisque les cosses pincées, j'aime vraiment pas ça. Et pour couronner le tout, je rajoute un petit bout de gaine thermorétractable sur le dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de court-jus, de court-circuit, pour être sûr que ça ne touche pas et pour être sûr que quand je mets les mains à l'intérieur de la borne, bah, je risque pas de prendre le jus ou de faire un arc électrique et de fusiller quelque chose. Donc voilà comment j'ai procédé, voilà pour ce court épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis!